quiero que la piel quede croustillant, croustillant. Sí, justamente. ¿Qué pasa? Que, es decir, cuando cocinamos directamente así, o sea, se podría llegar a cocinar así, pero realmente es muchísima temperatura, es muy agresiva, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue controlar la cocción primero a base de vapor y controlar el núcleo, ¿vale? Y después damos la parte, la parte crujiente. ¿Vale? Dejamos dos escamitas de sal. Y un poquito de este cuscús de millo. Y la verdad, es un plato injusto que nos lo demos a probar, porque es un plato que no habla desde aquí, sino que habla, porque os decía, es un plato que está centrado en la cocción del pescado, no en el resto de los elementos. Entonces, es un plato que la justicia sería haberlo probado. Pero solo podíamos hacer dos para probar. Jean-Marie, en fait, Pépé a axé tout son travail sur la maîtrise de la cuisson. Il a longuement expliqué qu'il mettait ça au four pour que ça soit également cuit partout et bien respecter le produit. Et à la fin, juste apporter le côté rôti, croustillant de la peau en maîtrisant complètement, grâce au papier et grâce à la cuisson dans la poêle, le croustillant. Et que vraiment, c'est entièrement axé sur la cuisson du poisson avec à peine cette huile d'olive au fond noir et ses épices. Ta réaction ? Il a fait le guenadu breton. Il a fait quoi ? Le guenadu, mon drapeau, le drapeau de la Bretagne qui est noir et blanc, on appelle le guenadu. D'accord, ok. C'est beau. Ton idée ? Tout à l'heure, juste avant de commencer, tu m'as dit, je suis en live. Je vais voir ce que je vais faire. En fait, je suis arrivé ici... Je les ai un peu embêtés parce que je ne sais pas ou je ne sais plus, mais j'ai pas envie de toute manière de donner des plats fermés. Ouais, j'aime garder une ouverture d'esprit. Alors on m'a dit on met le mérou. Comment tu vas faire le mérou? Je sais pas comment je vais faire le mérou. Voilà. Et je voulais venir ici et vraiment m'imprégner en fait de ce qui se passe un peu sur le marché, par exemple, qu'on a fait le marché hier, et aussi culturellement de ce qu'ils font. Donc après, je suis parti un peu en live là. Je pense que je vais un peu m'amuser avec le mérou. Tout à l'heure, là, juste avant, j'ai fait en fait... Je suis parti sur le persil, d'accord, le persil que j'ai trouvé sur le marché avec toi, et je l'ai mixé avec de l'ail et j'ai rajouté de la noix de coco. Ah d'accord. La noix de coco, alors que j'aime pas la noix de coco, tu vois. Mais pourquoi? Parce que pour moi aujourd'hui c'était comme ça. Voilà. C'est comme ça que j'avais envie de le travailler. Hier, on a trouvé de la mangue dans le frigo. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai ramené un vinaigre de miel que j'ai du pays. Et en fait, j'ai mis ma mangue et je l'ai utilisée comme un condiment, encore une fois. D'accord? J'ai mis ma mangue sous vide avec du vinaigre de miel. Sans cuisson. Juste mariné. Juste mariné. Donc, en fait, un chutney mangue à froid. À froid. Il n'y a pas de cuisson. C'est vraiment à froid. Ici, j'ai préparé avec des agrumes, en fait, encore un petit mélange d'épices. Il faut dire que tu as trouvé des très beaux citrons sur le marché. Ils étaient terribles. Et j'avais fait, parce que chez nous, il y a encore des courges, d'accord ? Il y a encore des courges. Moi, quand je prends la courge à la maison, je la coupe, je garde tous les pépins, bien sûr, et je les fais torréfier au four. Mais torréfier, dessécher, donc ça, c'est très long. D'accord ? Je garde ces pépins, je les récupère. Je mets une très bonne huile d'olive, un peu d'épices, je bloque, je laisse ça à côté du fourneau tranquille et ça va 40 degrés tranquille et ça va continuer à fuser. Après je mixe, je passe et ça me fait une huile qui est très puissante en fait, d'accord ? Et je monte une réduction pratiquement à sec d'agrumes avec cette huile. D'accord. D'accord ? Et t'en mets très peu. Ça fait une petite sauce très liée. Ouais, et c'est très fort. C'est très très fort. Et bien sûr, le pequillos.
D'accord. Le pé quioche. Je vais utiliser un petit peu d'ail dans ma cuisson. On va faire une cuisson minute. Mm-hmm. D'accord. Moi, je n'utilise pas, contrairement à PP, des cuissons très très longues sur mes poissons. Après, ça dépend comment tu les coupes, ça dépend comment tu vas les cuire. Et moi, je suis plutôt à la minute. Hein, d'accord. À l'instant. Voilà. Mes poissons ne passent jamais au four. D'accord. Ah, c'est une règle chez moi. Est-ce que c'est pas aussi une contrainte de ton type de restaurant où tu veux pas une brigade pléthorique ? Donc le but du jeu est de traiter les produits avec le minimum de mise en place, en fait. En fait, moi, je commence à la maison. Je commence le service. Tous mes légumes sont crus. Tout est cru. D'accord. Je commence le service. J'ai fait, voilà, tu vois, moi je peux faire un service, commencer, et j'ai 4 sauces, 5 sauces. Je ne sais pas qui va aller avec quoi et comment je vais le faire. Mais le but du jeu, c'est justement de prendre les choses et de les faire comme toi tu as envie, comme tu les sens, comme tu as envie de les faire. C'est gentil hein, comme question. Je fais gaffe parce qu'il est breton, il a des réactions parfois. Ouais. L'influence de Pierre Gagnaire sur cet esprit-là, cette construction-là, est-ce qu'il n'est pas très important pour toi ? Parce que Gagnaire a un peu tendance à voir la cuisine comme ça, sur un instant, des impulsions, des sentiments, plus que de la technique. Tu n'as jamais réfléchi ? Si, mais c'est clair que quand tu es formé par Pierre Gagnaire, le but du jeu, ce n'est pas de faire du Pierre Gagnaire, mais tu es toujours influencé. Tu as toujours une influence, ça va te marquer à vie dans ta cuisine. Que tu le veuilles ou non, de toute manière, tu ne peux pas oublier. Voilà. Maintenant, après, c'est à toi de trouver tes propres histoires à raconter, ta propre identité par rapport à ta formation. On a tous une formation différente avec des expériences différentes. Je pense que tous les cuisiniers ont été marqués un jour par... Un maître à penser, où ils vont se dire maintenant j'ai passé le cap de penser qu'est-ce qu'il aurait fait Pierre Gagnaire. Santé. Mais ça prend du temps pour trouver ta propre identité derrière une personnalité comme ça, si tu veux. Ça prend beaucoup de temps. Ouais, c'est un long chemin. Comment tu vas te couper le mérou? Bah, on va le couper comme ça déjà. Donc tu entailles la peau. Ouais. Pour faire entrer la chaleur. Ouais. D'accord. Comme je vais faire une cuisson minute. On va entailler. Donc voilà, je sais pas si on voit. Oui, ouais. Oui, on voit. Ouais, c'est bon. J'entaille comme ça, on va faire pénétrer la chaleur à l'intérieur. Donc ça va monter par là. Ouais. Et par là. D'accord. Pourquoi? Parce que je vais l'arroser. À la voilà. Française, vraiment à la française. Ouais, je sais pas si... Oui, nourrir les produits rôtis. Donc en fait, là, j'ai mis mon huile. T'as mis beaucoup d'huile. Mais j'aime l'huile, moi. Tu sais, je suis un breton, mais j'utilise pas de beurre. Ça marche comment, ça? Et tu fais partir à froid, volontairement? Non, l'huile était déjà tue. Ah d'accord, ok. D'accord, c'est déjà... C'est mais déjà tu veux pas la saisir? Non. Ah, ça, parce que c'est le mérou. Attention. Parce que c'est aussi une certaine chair qui, si tu la graisses dès le départ, va dessécher, va perdre son jus et ça va faire un tas de merde. En fait, là, il y a de nouveau un parallèle qui est assez rigolo. Ce serait bien d'expliquer à Pépé. C'est-à-dire que Jean-Marie ne veut pas agresser le mérou. Il met beaucoup d'huile et il part presque à froid. Pour pas agresser la chair. Et en fait, il va arroser avec cette huile légèrement chaude pour cuire en dessous et au-dessus sans agresser le poisson.